Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Workspace. Aujourd'hui, nous allons voir comment ranger de manière automatique sa boîte mail grâce au libellé et au filtre. Donc, ici, dans ma boîte mail, je reçois certains courriels de Google Suite Update qui arrivent dans la boîte principale, dans la boîte de notification, et j'en ai plusieurs. J'ai créé un libellé Google Update, ce qui me permet ici de venir mettre mes courriers pour les retrouver plus facilement, mais ce que je dois faire, c'est quand je reçois un mail, c'est le déplacer dans Google Update à la main. Et de même, je devrais actuellement ranger tous ceux qui sont dans la boîte mail dans Google Update à la main. Nous allons faire un filtre qui va nous faire que dorénavant tous les courriers de Google Update seront rangés dans le libellé. Et ceux qui sont actuellement présents vont se déplacer aussi dans le libellé Google Update. On va se rendre ici dans Rechercher dans les messages et je vais cliquer à droite sur la flèche afin d'afficher les options. Je vais mettre que le mail vient de Update. Et ici en bas, vous voyez qu'il y a marqué Créer un filtre. Donc je clique sur Créer un filtre. Et il me demande qu'est-ce que je souhaite faire de tous les courriers qui viendront de Google Update. Lorsqu'un message correspond exactement à vos critères de recherche, ne pas afficher dans la boîte de réception, donc faire disparaître ceux qui sont actuellement dans la boîte de réception et que je ne le vois pas les nouveaux. Marquer comme lu, activer le suivi, appliquer le libellé et je peux choisir le libellé, donc Google Update que j'ai créé. Transférer à une autre adresse, le supprimer, ne jamais envoyer dans le dossier spam, toujours marquer comme important, ne jamais marquer comme important, associer à une catégorie principale, réseaux sociaux, notifications. Appliquer également ce filtre à 12 conversations correspondantes, donc toutes celles qui sont actuellement dans ma boîte mail. Il y en a 12 et ils vont se déplacer dans Google Update. Donc, je sélectionne et je fais créer un filtre. Voilà, et maintenant, si je me rends dans ma boîte principale, vous voyez que je ne vois plus de mail Google Update. Et pareil, dans la notification, et j'ai le nombre de mails qui ont baissé. Et tous mes courriers se retrouvent dans Google Update, et les nouveaux iront aussi directement dans Google Update. Si je souhaite modifier et donc supprimer éventuellement mon filtre, pour cela, je vais aller dans les paramètres, donc la roue crantée en haut à droite, je clique dessus, un volet apparaît pour la configuration rapide, je clique en haut sur afficher tous les paramètres, et maintenant je me suis rendu dans les paramètres de Gmail. Je vais chercher en haut filtre et adresse bloquée, je clique dessus, et maintenant je suis dans la page où il y a le filtre. Et vous voyez ici, correspondance, from update, action, ne pas afficher dans la boîte de réception et appliquer le libellé Google Update. Je pourrais le modifier ou le supprimer. Maintenant, vous savez comment créer un filtre et gérer vos filtres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Workspace.